Lucas. Tu sais, j'ai un peu peur dans le noir. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Les clubs de papa? Il fait beaucoup trop sombre pour jouer au golf. Enfin, qui t'a dit que je comptais jouer? Maman nous entendrait pas. D'accord. C'est l'occasion rêvée de tester mes techniques d'évasion de prison. Aide-moi à monter. Et moi qui m'aidera? Oh, quelqu'un finira bien par te retrouver un de ces jours. Allez, fais-moi la courte échelle. Non, tu vas sortir et tu vas encore me laisser tomber. Échelle, je vais le chercher. C'est bon, tu l'as? Oh, qu'est-ce que tu m'énerves avec ton fichu lapin? Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Non. Alors tu n'as pas réussi à sauver Lapinou? Non, et de toute façon, si on est coincé ici, c'est ta faute. Ma faute? Mais c'est toi qui m'as couru après dans toute la maison. Évidemment, tu fais tout pour me mettre en colère. Et je te signale que tout est toujours de ta faute. Tout a commencé le jour où tu es née. Mais... pourtant, il paraît que j'étais un bébé adorable. C'est faux, tu étais horrible. D'ailleurs, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me débarrasser de toi. J'ai vraiment tout essayé. Mais chaque fois que j'avais une nouvelle idée de génie, je me faisais gronder. Et tout ça à cause de toi. Mais je ne comprends pas pourquoi ce serait de ma faute, j'y suis pour rien, moi. Si, pourtant, ça me paraît évident. Maman t'a mis au monde. Et alors, moi, j'avais rien demandé. C'est pas le tout, mais c'est pas en te parlant que je vais sortir d'ici. Je n'ai pas une minute à perdre, allez. Non, Lucas, tu ne vas tout de même pas t'échapper et me laisser ici. Et pourquoi pas? Je vais creuser un tunnel sous la maison. Oh, maudite cuillère. Aïe! Bon, ça commence à bien faire. Devrais faire l'affaire. S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. T'es vraiment trop méchant. Pas du tout. Toi, je ne t'aime pas beaucoup. Il y a une différence. C'est pas vrai ce que tu dis. Un jour, tu m'as sauvé, je m'en souviens. Moi, je t'ai sauvé. Quand ça? Quand j'étais tout petit. Tu es vraiment insupportable. C'est pas possible, tu as encore fait pleurer ton frère. Je t'avais dit que si tu recommençais. Non, maman. Là-bas, méchant, wah wah. Ce jour-là, dans le parc, tu m'as sauvé la vie, tu es mon héros. Toi, j'ai pas fait ça pour te protéger. Si j'ai fait partir le chien, c'est parce que... parce qu'il allait dévorer Monsieur qui tue. Voilà, c'est pour sauver mon nounours que j'ai fait peur au chien. Te fais pas des idées, hein. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu voulais me protéger. Si tu veux que je te dise, ça m'aurait bien arrangé que ce chien te mange tout cru. Bon débarras, adieu Émile. Lapinou. Attention. It's so easy being me. I'm
Tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant! Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. J'ai trouvé qui sera le troisième membre. Écoute, si tu acceptes de jouer avec nous, tu deviendras officiellement le capitaine Émile du gang de la main pourpre. Capitaine, ça veut dire que j'aurai de grandes responsabilités? Si on veut, il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais deuxième second. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Waouh! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés! Nous y voilà. Vous êtes prêts à tout donner, j'espère? Parce que c'est le grand jour. Oui, le grand jour de notre victoire. Et du même coup, de votre lamentable défaite. Ouais, lamentable. Et si jamais elles avaient raison? Si on échouait lamentablement? Eh, faut se détendre, aucun problème, tout est sous contrôle. Ces billets de concert sont pour ainsi dire dans ma poche. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au grand concours de talents organisé par notre école. Tout de suite, notre premier numéro. Il s'agit d'Aldric qui va tenter d'effectuer 80 tractions en position de poirier. Et d'une, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et de six, et de sept. Allez, ma belle, fais ce que t'as à faire. Et de huit, et de neuf. Oh. Aldric. Oh. Oh. Bien, notre concurrent suivant est Hervé, qui va nous prouver à quel point il est surdoué. Vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, et vous verrez que je n'aurai aucun mal à y répondre. Qui est l'inventeur du téléphone? Facile, Alexander Graham Bell. Quelle est la capitale du Portugal? Enfantant, c'est Lisbonne. Qui a soufflé les réponses du devoir de maths d'hier à Marion Molasson en échange d'un paquet de bonbons? Eh bien, en fait, c'est... C'est moi, je l'avoue. J'aimerais que nous ayons une petite conversation. Notre Hervé est donc aussi un surdoué de la vérité. Bien, nous allons passer au numéro suivant. Salomé et sa marionnette de ventriloque, Jelly. C'est la poisse. J'ai perdu ma montre. Pourrais-tu me dire, ma chère Julie, l'heure qu'il est? Bah non, ça change tout le temps, ce truc-là. C'était à moi de dire cette réplique. Toi, tu devais répondre, je sais pas, c'est tout. Ça aussi, ça a changé. Waouh, elles sont vraiment drôles. C'est pas très bon pour nous. Ouais, je vais donner au public une bonne raison de rire, vous allez voir. Hé, hey, qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que ça se termine, alors je vais leur offrir une belle chute. Oh, tu vas dire quelque chose à la fin. Et voilà le travail. Dis donc, c'est affreux ce que tu viens de faire, Lucas. Voici venu le moment tant redouté de la dernière prestation. Veuillez accepter mes excuses, messieurs, dames, car je dois vous annoncer Lucas et les insupportables. Oh. Deux, trois, quatre, ouais. Allez, hop, dans mon bureau. Et toi aussi, Xavier. C'est vrai, ce genre de choses arrive toujours aux autres.
Cette fois, la roue a tourné et la chance nous a souri. Oui, je sais, c'est incroyable. Maman, la reine a combien de télés chez elle? Je n'arrive toujours pas à y croire. Émile va rencontrer la reine en personne. Oh! Pourquoi ils en font tout un fromage? Je suis sûre que la reine, elle s'en contrefiche de rencontrer mon petit frère. Hein? Ah! Moi, j'aurais la honte de ma vie si jamais mon père se mettait en tête d'installer un porte-drapeau dans notre jardin. Oh, c'est pas un porte-drapeau, rien à voir, c'est juste un piquet. S'il te plaît, Lucas, peux-tu aller me chercher l'Union Jack à la cave? Qu'est-ce que je t'avais dit? Selon la tradition, on va hisser le drapeau en l'honneur de la rencontre entre la reine et Émile. Oh, c'est pas possible, ma famille me fait vraiment honte. Va me chercher le drapeau, vite! Faut, tu t'y prends comme un manche à balai. Non, c'est pas vrai. Bon, tant pis pour toi, c'est pas moi qui vais passer pour un imbécile. Apprends-moi comment il faut faire alors. Tu es sûr à 100% que c'est bien comme ça qu'on salue la reine? Oui, ceux qui ne font pas comme ça, ils les enferment dans la grande tour de Londres. Non. Ensuite, ils aiguisent une énorme hache et quick! Lucas est méchant, il dit qu'on va me couper la tête. Lucas, tu es vraiment insupportable. Et mon drapeau, alors, tu l'as? C'est bon, je vais le chercher. Papa dit c'est vrai qu'il tranche la tête des gens dans la tour de Londres. Évidemment, c'est pour ça qu'on la surnomme la tour sanglante. Franchement, ce n'est pas malin. Sa Majesté verra vos dessins. Nous les afficherons pour l'exposition royale lors de sa visite. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un portrait de moi. C'est le roi Lucas l'insupportable. Enfin, Lucas, tu n'es pas de descendance royale! Mais bien sûr que si! Ça explique tout, Émile n'est pas mon frère et papa et maman ne sont pas mes vrais parents. Oui, en fait Lucas est né dans un zoo. Oui, un zoo. Lucas, j'ai l'impression que tu as oublié un tout petit. Ah oui? Quoi donc? Eh bien, malheureusement, aucun petit-fils de la reine n'est né la même année que toi. Oh! Aucun enfant? Décidément, je n'arriverai jamais à savoir combien de télés la reine possède. Maman, est-ce que tu en es complètement sûre? Oui, mon chéri, sûre et certaine. La reine a très envie de te rencontrer. Elle n'a aucune intention de t'enfermer dans la tour. Je me concentre, je ne la regarde pas, je m'incline. Ah oui, ensuite, ah oui, j'attends sa question. Émile, Émile. Oh, oh, merci, il est splendide. Ce que
je veux par-dessus tout, c'est le fusil à glu de l'espace. Ah oui, puis le charbon de boue, moi aussi. C'est-à-dire... Père Noël, je vous ai apporté un cadeau. Oh, merci beaucoup, jeune homme. Tu es vraiment très gentil. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que je t'apporte pour Noël? J'aimerais bien un gros dictionnaire, des graines, un coffret de géométrie et des timbres. Voilà. Mais surtout pas de jouets, j'en ai déjà plein. Je vous remercie beaucoup. Et moi, dans tout ça, des jouets, j'en veux, Père Noël. Écoute, mon garçon, je vais voir ce que je peux faire. Génial. Un adulte qui dit « je vais voir ce que je peux faire », en général, ça veut dire oui. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia 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 et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, Tante Pia 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 m'offre des chaussettes. Tu as raison, mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Fais attention, Lucas! Oh non, ce n'est pas vrai! Oh zut, c'est Tante Pia Pia! Bonjour tout le monde! Comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut! Allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastonnet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai? Parce que tu vois, ben moi aussi. En plus, j'aurai un char boum-boum. Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, hey, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? C'est fini! C'est pas un bonhomme de neige, ça! C'est vrai! Un bonhomme de neige n'a pas d'aile! Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, hey, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci, Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Emile, quelle ravissante chaussette. Je l'ai tricotée moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui, tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Emile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain.